Chaque matin, en poussant la porte de son jardin, Benoît Pasquier entre au cœur de sa passion, cultiver ses légumes, ses herbes, afin d'offrir à ses clients un goût authentique, directement issu des limons de la Loire. Je cherchais un jardin sur les bords de Loire pour être en adéquation avec ce que l'on fait au restaurant. On cherche à mettre en avant le terroir de la Touraine et donc trouver un jardin sur les bords de Loire, pour moi, c'était l'épanouissement total pour faire nos propres légumes. On est juste à 20 mètres de la Loire et tous les jours, on voit un paysage différent, une végétation différente. Mes ruches sont dans le fond du jardin et ça fait 2 jours qu'on ne voit plus les abeilles travailler. Et puis, suivant les températures, et c'est le plaisir de venir ici se changer les idées. Allez, cherche, cherche. Pas dès qu'on dit le mot cherche. Au pied. Là, ici. C'est aussi en forêt, terrain de chasse et de cueillette, qu'il vient puiser les quelques ingrédients qui font de sa cuisine un lieu où le terroir ligérien a toute sa place. On se passionne à la cuisine déjà parce que l'on trouve en dehors d'une cuisine. Donc qu'est-ce que l'on peut trouver? Les légumes. La chasse, ça permet de se balader dans la forêt, de voir tout ce qu'il y a dans la forêt. Combien de fois je suis venu ici, j'ai ramené des champignons à pagaille. Chaque fois, c'est toujours des moments qui nous fait penser à ce que l'on va faire après en cuisine. Retour sur les bords de Loire dans son restaurant, c'est dans cette cuisine que s'exprimera enfin ce terroir ligérien, glané entre son jardin et la nature. Alors voici tous les ingrédients pour réussir une soupe de potiron à la truffe et aux champignons sauvages, donc des pieds de mouton qu'on a ramassés tout à l'heure. Ces muscats de Provence, je les ai ramassés il y a un mois et demi. Ils étaient verts. Et on doit les laisser mûrir jusqu'à temps qu'ils aient cette couleur-là pour pouvoir les utiliser. Je mets ma soupe en cuisson. Il faut attendre à peu près entre 25 minutes et 30 minutes. Elle doit être mousseuse, hein, la soupe. Je vais râper ma truffe. Il faut mettre pas mal de petits morceaux. Nous allons laisser infuser pendant une bonne minute la truffe dans la soupière. Et pour nous, en tant que cuisiniers, c'est un aboutissement de pouvoir proposer aux gens un plat qui, on a vu l'évolution aussi bien dans le jardin que la transformation en cuisine. Et pour nous, c'est que du plaisir et nos clients le ressentent. Et d'ailleurs, je vais même continuer jusqu'au bout de l'assiette.